Salut les amis, c'est parti, me voici sur l'autoroute en direction du Canet-en-Roussillon. Donc j'ai mangé mon dernier morceau de pomme il y a une heure là. Voilà, donc c'est une sorte d'appartement. Hein. Bon, une petite cuisine qui va servir à rien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai une superbe vue par contre, vraiment très belle. Ah bah non, tiens, c'est mort. Ah, j'ai une télévision, ça c'est important. Et puis la chambre, voilà, salle de bain. Alors j'ai le droit à l'aspiro, le bordel. Là, on a l'impression que c'est moi la femme de ménage. Et puis ma petite chambre avec une terrasse. Non, par contre, sur cette terrasse, il y a une super vue là. Ah, bah non, non plus. Dans ce magnifique hôtel. Alors, à ta santé, Guérin. À ta santé. Tout le corps est représenté au niveau de l'oreille et ces aiguilles vont permettre justement, enfin, comme les aimants, ça va plutôt agir sur le symptomatique. Donc si vous avez des douleurs, si vous êtes... Alors voilà mon ami Gerhard qui se prépare. Il a faim, je crois. Envie de manger, hein. On mange bien ici. Bon bah voilà, après une petite partie de cartes avec Gerhard, nous avons pris notre boisson de purge et nous attendons que la libération se fasse. Voilà, ça fait une petite heure déjà et ça gargouille. C'est du bonheur. Du sulfate de magnésium, 20 grammes. Bon, patience. Bon, ben voilà, ça gargouille, mais il se passe toujours rien, quoi. Ah ouais, 21h. Et en plus, j'ai droit à un bel essai, quoi. Mais c'est pas beau, la vie. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, là. Et voilà. Bon, matinée. Et voilà, c'est le matin. Au revoir. Au revoir. Je reçois plein de petits messages, des pensées vraiment très agréables de bon matin. On sent que tout le monde est avec nous dans ce grand gros effort. D'ailleurs, j'ai même Gerhard qui m'envoie un petit message. Voilà. Alors, je retrouve Gerhard de bon matin avec son petit jus de carotte. Hein. Ça sent la carotte. Hein. Mais c'est vraiment un délice. Là, le mien m'attend ici. Il a pris sa bouteille d'Arsens. Ah, tu prends une eau pétillante, toi. Hein. Oui, c'est interdit, mais je le fais. Donc, quand même. Ce matin, 8h30, voilà ce qui nous attend. Voilà. Là, on a l'extracteur, les jus pour tous les monde. Après une petite séance de yoga méditation, une petite tasse de tisane pas bonne. Voilà, ça c'est le centre de Thalasso. Là-bas, il y a Collioure. Et là-bas, il y a le centre du Canet. Voilà. Ça c'est le Canigou qui culmine à 2008. Là-bas, il y a de la neige aussi. Et voilà l'équipe qui est partie en mode randonnée. Bon, ça va être tranquille, je sens. Hein. On va pas se faire mal. Hein. Alors, nous voici là. Donc, on est 5 garçons. Le bien-être ne respecte pas la parité. Je crois que Gerhard est un petit peu fatigué. Piscine à bulles. Là, je vais aller prendre une petite tisane, une petite infusion océane. La journée s'achève. J'ai fait un petit tour. Je suis allé chez Gerhard voir sa maison, ses appartements à côté du Barcarès. Et puis
on s'est ramené des petites couettes parce que ici il y a que des draps et c'est pas très agréable et on est un peu, on craint le froid en fait, c'est un des symptômes. Comme on digère plus, ben on a tendance à craindre le froid. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu froid cette nuit. Là je me suis pris une bouillotte même. C'est bon de mettre la bouillotte sur le foie pour qu'il travaille mieux. Voilà. Journée qui s'achève. J'ai fait une grosse sieste ce soir. Enfin non, cet après-midi. Et voilà. Bon. Bon voilà, nous sommes au deuxième jour. Oui. Deuxième jour. De plus en plus dur. De plus en plus dur. Gerhard, ce matin, c'est un peu compliqué. Moi, ça va. Je suis plutôt bien. On va voir ce que ça donne. Frimeur. Frimeur. Donc ce matin, petit jus de citron, petite extraction, et là, le yoga qui nous attend, comme d'habitude. Le Cat, spot de planche, bien connu. Gerhard. Enfin. Bon voilà, troisième jour, nous voilà partis pour une petite randonnée. En bord de mer, réveil tout à fait correct, petit jus dégueulasse de betterave qui a le goût de terre. Et bon, tiens bon, écoute, ça va, c'est impeccable, la forme, tout le monde n'a pas forcément la même forme. Il y en a quelques-uns qui s'effondrent un peu là, mais ça va. Faut qu'elle voie aux choses, qu'elle sorte de nos jupons, ouais. Pas se le cacher, question d'audition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Tu veux la vérité, Néo? Tu vas devoir me suivre. Nous sommes mercredi et Gerhard pète le feu. Il vient de se mesurer à 86 kilos. Oh là 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 là, mais quelle puissance! Grosse patate. Là, il y a le hammam. Là, il y a des petits bassins de jacuzzi. Et dehors, il y a une piscine un peu chauffée, mais pas moins, un peu moins. Voilà, et moi, je vais attaquer la machine qui est là. On a une grande surprise pour vous aujourd'hui. Olivier. Grosse patate. Entre deux repas. Là. Toujours bon de faire un petit peu de muscu. Entre bien les muscles. 8. 9. Bon voilà, c'est, si on est en salle, en fait, c'est que vraiment la météo est pas au rendez-vous. Par contre, la mer est défoncée. Ça surfe de partout. Enfin non, mais ça pourrait. Et la pluie. Là, me voici à Collioure. On est presque en Espagne là. Très jolie balade. Avec un petit fort, tout ça. Beau point de vue, une chapelle, voilà, et tout va bien, grosse patate ce matin. Voilà, c'est le dernier jour, ça y est, demain c'est la libération, oui, qu'est-ce que t'en penses Gerhard? Oui, je suis très content de rentrer. Allez, on a la dernière présentation, ce sera la reprise alimentaire. Voilà notre coach. Tu passes à la télé. Ouais. C'est... Non mais tu fais quoi? Je suis un YouTube, moi. Je suis un YouTuber de fou. T'es un YouTuber? Non mais. Oui. C'est là où alors lui il me parle de airdrop ou je sais pas trop quoi, toi de YouTube. Non mais. Je suis has-been avant l'âge. Dans les ruches, parfois il y a des petites souris qui viennent, etc. Et en fait les abeilles entourent. On retrouve des souris momifiées qui sont intactes parce que sous l'effet de la propolis, en fait, c'est tellement antibiotique. Anti-viral, tout ce que vous voulez, c'est hyper efficace. Et dès que vous avez franchement un petit rhume, moi je vous conseille propolis et extrait pépin pamplemousse, enfin de la vitamine C en tout cas, et généralement ça passe assez rapidement.
Donc voilà un Snoopy, avocat, épinard et pollen ce matin pour le redémarrage. Il est 9h. Tu veux pas une tisane? Tu veux une tisane? Ce que tu fais, toi, avec ton téléphone. Ferme les yeux. Ça va, Kéra? Je te filme là, tu peux faire un sourire si tu veux. Je suis devant toi, t'inquiète pas, tu veux pas trouver. Je vais te guider. Super, un gros plan sur la caméra. J'ai peur. 1, 2, 3. Waouh. Il faut bien se lever maintenant. On peut aller chercher la photo. On peut aller chercher pour faire une photo. Ah, c'est du lourd. On dirait du gaz. On va se régaler. Cette belle assiette. Oh, on est trop contents. Quelle joie. Très content. Vous allez vous régaler, je crois. Il y a un bon petit vin blanc qui nous... Ah non. Non. Et non, c'est pas du vin blanc. On ne fait pas rien semencer votre flore intestinale. Kombucha. Avec les bactéries, hein, dont vous avez parlé hier, lors de la reprise alimentaire. Dans la petite verrine en verre ronde, le tartare d'algues qu'on a fait hier ensemble durant... Vous avez regardé, je vous ai fait la démonstration durant l'atelier de cuisine. Et juste à côté, à sa gauche, un panier de crudités pour manger avec les algues. Ensuite, des carottes, sésame et coriandre, juste râpées. Le fameux chou lacto-fermenté qu'on a préparé avec du gingembre dont on vous a parlé hier, dans la petite coupelle en bois. Juste à côté, le taboulé chou-fleur et brocoli qu'on a fait également pendant l'atelier de cuisine. Quelques dés d'avocat et graines germées. Et puis après, une petite grappe de raisin et une tranche d'orange. Eh bien...